Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo vraiment très spéciale parce que c'est ma dernière journée à Bujumbura. Oui, ce matin, je viens de terminer là la photocopieuse, donc je me dirige tout droit à la fac. C'est là où on va faire mon dernier examen plutôt. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un peu concernant Gbifi. Je vais vous montrer c'est combien aussi, si ça peut varier entre combien et combien. Pour des gens qui sont nouveaux sur la chaîne, prière de s'abonner, activer la cloche de notification, partager et laissez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. Alors c'est parti. Bon, si je suis à l'intérieur, on se prépare juste pour partir et... J'ai profité pour vous parler tout ça parce que ça me fait du bien à vous parler, à vous partager un peu mon expérience, soit à vous partager mes, je peux dire, les anecdotes ou quoi, ou soit n'importe quoi, donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, le truc que j'ai, ce qui me tourne dans la tête, c'est qu'est-ce que je vais découvrir à Ouvira, tout ça. Laissez-moi des commentaires des gens qui savent beaucoup plus la ville d'Ouvira, soit laissez-moi des suggestions, tout ça. Parce que même en faisant le montage de la vidéo, je peux même tenir compte à vos suggestions. Ici derrière, c'est juste un ami. On va voyager avec lui. On sera ensemble avec lui jusqu'à la frontière. Bon, si c'est, je voulais vous parler un peu concernant la nouvelle saison qu'on va organiser. La saison va contenir plusieurs vidéos. À chaque fois, je vois quelqu'un qui vient me vendre quelque chose. Donc, je suis vraiment content de partir visiter Ouvira encore, voir comment est-ce que ça ressemble. Parce qu'on attend toujours à des informations, tout ça, on parle d'Ouvira, il y en a de quoi, les ruisseaux là, de l'eau qui a envahi la ville, je pense que c'était l'année passée. Donc, il y en a beaucoup de trucs là. Bon, je vous laisse découvrir ça dans d'autres vidéos. Je pense que vous serez nombreux à regarder la prochaine vidéo et à regarder d'autres vidéos. Et merci aussi pour vos soutiens parce que ça fait vraiment beaucoup de temps. Le temps que j'ai passé ici au Burundi, ça m'a aidé de découvrir le pays, tout ça, partir dans les provinces. Oui, c'est presque la fin de la journée. Donc pas la fin de la journée, mais quand même la fin de mon passage ici au Burundi. Il m'a demandé juste qu'il veut acheter ça. Donc, le reste, vous allez voir, les chemins, comment est-ce que depuis ici, depuis Bujumbura jusqu'à la frontière. Et ensuite, je vais vous montrer aussi le chemin depuis Ouvira. Bon, à Ouvira, bon, je pense que ça sera bien. Et pour signaler, à Ouvira, je suis arrivé, c'était en 2008 pour la première fois et jusqu'à présent je n'ai jamais entré là, donc ça va faire déjà plus de, ça fait déjà au moins 13 ans que je n'ai jamais arrivé dans cette ville. Ça sera encore quelque chose de surprise pour moi, même pour vous, de découvrir au moins une première ville sur ma chaîne YouTube, à part la ville de Bukavu, de découvrir une autre ville de la RDC sur ma chaîne YouTube. Merci et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, de pouces bleus et de s'abonner. Activez la cloche de notification. Oui, je vais d'acheter ces cartons. C'est ma mère qui m'a envoyé ça. Et bon, ce n'est pas vraiment trop cher parce qu'à l'intérieur, il y en a 50 pièces. Mais non. À l'intérieur, il y en a 50 pièces, mais c'est aux environs de 7 comme ça. Merci. Thank you.
Oui, maintenant je suis en RDC. J'attends juste pour faire les tests de COVID et ensuite entrer dans la ville d'Ouvira. Et après, je vais rester là quelques minutes ou soit quelques heures et je vais me rendre au niveau de Bukavu. Avance. Le test s'est déjà terminé. Ils sont